Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et je suis devant le domicile d'une personne qui nous a appelé, qui souhaite pas se montrer à la caméra parce que bon. Mais elle nous a appelé parce qu'elle a relevé un problème très grave. Cette dame là qui nous a appelé, qui habite ici, elle a une piscine. Et c'est une dame qui est chez elle, donc bon ben, souvent elle se met toute nue pour bronzer devant sa piscine. Des fois elle est en maillot, etc. Et elle a remarqué à plusieurs reprises qu'un voisin venait à côté de sa clôture pour la filmer à son insu. Elle est allée le voir, bien entendu, mais le voisin nie en bloc et n'ayant pas de preuves, la dame n'a pas pu aller ni déposer plainte, ni ailleurs. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là, parce que nous, on va venir et on va essayer de le surprendre en train de filmer cette dame chez elle. Apparemment, la personne vient quand il fait beau, on va se mettre en caméra cachée à côté, on va voir si quelqu'un vient, si quelqu'un filme ou si quelqu'un est suspect à côté de chez elle. Et à ce moment-là, on filmera toute la vidéo. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir la suite de la vidéo et voir la sentence qu'on a infligée à cette personne. Je vous souhaite un bon visionnage à tous et faites attention même chez vous parce que ça peut devenir dangereux. Ciao. Donc voilà les gars, ça y est. Là, on est en place avec le caméraman. Vous voyez toute l'allée qu'il y a ici. Là, je vais montrer avec le doigt tout ici, toute l'allée là, à droite. C'est la clôture de la dame où derrière il y a la piscine. Nous, on s'est mis au même niveau de la clôture, un peu plus loin, pour voir s'il y a quelqu'un. Pour l'instant, voilà, on vient de se poser, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui vient, on se remettra à filmer à ce moment-là et voilà. C'est pas lui. C'est pas le mec. C'est lui, je crois. Non, ça a l'air d'être une femme dans la voiture. Ouais. Arrête de filmer et dès que... Si on voit quelqu'un d'autre, on refilme. Tu le vois? Ouais. Tu penses que c'est lui? Qu'est-ce qu'on dit? Peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être que c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui, frère. Attends, laisse le faire pour voir ce qu'il fait, jusqu'où il va. Et après, dès qu'il s'en va, on le suit. Parce qu'il soit la tête. Parce qu'il nous faut des preuves, tu comprends? C'est un jeu en plus, hein. C'est ça qu'il faut. Je pense à un jeu, moi, tu vois. Et hop. En plus, il a une putain d'objectif, gros, le mec. Voilà. Voilà, mais il a filmé. Tranquille. Pourquoi il filme? Je comprends pas ça, à cause de ça. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Il fait pas ce que je crois. Non, là, j'y vais, j'y vais. Ah, excuse-moi. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Rhabille-toi. Comment ça? Rhabille-toi, qu'est-ce que tu fais? Mais je fais rien. Comment ça, tu fais rien avec la caméra? Lâche ça, lâche ça. Mais comment ça? Lâche ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment ça s'éteint, cette merde? Comment ça s'éteint? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi? C'est chez qui, ça? Je fais rien. C'est chez moi, là, à côté. Ça te plaît de voir la voisine en maillot chez elle? Ça. Ça te plaît? Quoi, chute? Quoi? Chute, comment c'est pas ta voisine? C'est qui? Pourquoi tu filmes? Tu la connais, cette dame? Tu la connais ou pas? Non. Alors pourquoi tu fais ça? Je peux voir mon appareil. Non, je vais regarder ce qu'il y a dessus. Non, y'a rien. Lève-toi. Arrête. Lève-toi. Ouais, y'a tous les rushs de la... Y'a même des rushs d'autres jours. Tiens, regarde. J'ai aimé les canards. Les canards? Ah ouais. T'as vu? Mais t'es un grand pervers, t'es un grand malade, toi. Tiens, prends ça, si tu arrives, Alex. On va aller au flic de suite. Putain, comment ça? On va aller au flic de suite. Si, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Explique, parle. C'est ma voisine. Et alors? C'est ma voisine. Et alors? C'est ta voisine, et alors? Tu filmes les gens comme ça? En plus, tu te baisses. Pourquoi tu as baissé le pantalon? Bah, j'avais chaud. Non, tu as des problèmes, toi. T'as des problèmes, et je vais t'en causer moi des plus gros problèmes si tu. Comment ça? Putain, mais dans quel monde? Putain, mais c'est quoi ce monde de fou là? Putain, mais on est où? Putain, j'étais en vacances tranquille, frérot. Il n'y a pas des trucs comme ça là-bas, comme en France, tu vois ça. Je comprends pas ce que je fais. Je comprends pas, je m'en fous que tu es en vacances. Tu as quel âge? Moi, j'ai 32 ans. Tu as 32 ans et tu fais ça? Ouais.
Non, je sais pas, là je suis dépassé, frère. Je suis dépassé. Je comprends pas, là. Je crois que c'est mon appareil, s'il vous plaît. Je crois vraiment. Est-ce que j'ai une tête? Regarde, est-ce que j'ai une tête à te rendre l'appareil photo, frérot? Est-ce que j'ai une tête à te rendre l'appareil photo? Et regarde ma tête, regarde-moi. Tu m'as vu, tu me vois, là? Est-ce que j'ai une tête à te rendre l'appareil photo? Non. C'est ma soeur. Comment ça? C'est ma soeur, on me fait quoi? Je te prends, je te peins à l'arbre ou je fais quoi? Qu'est-ce que t'es un pervers? Tu sais, c'est quoi ton problème? T'as des problèmes? Non. Pourquoi tu filmes? Je filmais pas. Ah non, c'est trop. On a les images, s'il te plaît. Ne peux pas perdre mon temps. Pourquoi tu fais ça? S'il te plaît, dis-moi la vérité, pourquoi tu fais ça? Elle est mignonne. Elle est mignonne, non? Tu la filmes? Et y a pas des sites où il y a des filles mignonnes, je sais rien. C'est ma voisine. Et alors, ta voisine? On peut arrêter de filmer? Non, on va pas arrêter de filmer, ma foi. On fait exactement ce que tu fais aux gens. Mais c'est gênant. Ouais. Ah, c'est gênant, et ouais, c'est gênant. Quand tu es filmé, toi, c'est gênant, mais quand tu filmes les autres, c'est pas gênant pour les autres. C'est ça? On appelle son mari? Je sais pas, il le sait pas. Est-ce qu'on appelle son mari? Non, non. Comment elle le sait pas? Mais sûr qu'elle le sait. Sinon, on aurait pas appelé, on serait pas là si elle le savait pas. Ça vous a appelé? Eh oui. Donc, dis-moi la vérité, pourquoi tu veux j'appelle les flics maintenant? J'appelle la police? Non, non, tu non, 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 non. Alors, dis-moi, ça va. Oui, je veux savoir la vérité. Vas-y, tu seras flouté, vas-y. Ça va, je garde le meilleur pour moi et après le reste, je revends sur des sites. Tu revends les vidéos sur des sites? Ouais. Et tu gardes des images pour toi? Oui. Mais dans quel but? Réponds-moi. Réponds-moi, dans quel but? Vas-y, réponds-moi. Dans quel but? Dans quel but? Dans quel but? Réponds-moi, je vais te balayer. Réponds-moi. Pour faire l'argent. Réponds-moi, je t'ai dit. Dans quel but? Alex, faut que j'arrête de faire des vidéos, des trucs comme ça. Faut que j'arrête parce que je vais en frapper vraiment. Lève-toi, bouge-toi le cul. Lève-toi, prends son sac. Tu vas venir avec nous. Je te parle. Tu as 32 ans, on a le même âge. J'ai 31. Si tu veux pas que je te défonce, gros. Parce que tu as vu ce que tu as fait là? Ce que tu fais, c'est pas normal. Imagine, c'est ma soeur. Imagine, c'est ma mère. Imagine, c'est ma femme. Tu as de la chance que c'est pas quelqu'un de ma famille. Tu sais que tu as de la chance? Oui. Je sais pas. Tu as 32 ans, tiens? Mais dans la tête, tu en as combien? Tu sais que c'est puni par. Tu sais que tu peux rentrer en prison pour ça? Tu le sais, tu es au courant? Tu revends les images sur internet en plus? Ouais. Et tu veux pas que je vrille? Vas-y, avec moi. Avec moi, viens. Viens. On va avoir une belle discussion de toi. Ouais. Bon, les gars, on est sur un terrain de foot avec un ballon. Et ce qu'on va faire, on a fait une petite sentence à notre ami qui s'amuse à filmer sa voisine. Et la sentence est juste là. Alors, en fait, je t'explique, il est attaché. Les mains sont attachées. J'ai envie de vous dire, soit on laisse là, soit on fait quelques tirs au but. Mais j'aime bien jouer au ballon. Toi, t'aimes bien regarder les femmes. Bon, ça n'a aucun rapport, hein, mais... mais on va trouver cette excuse pour te tirer des balles dessus. On va faire des petits pénaltys. Ben si. Non, de là, ça fait un peu loin. Hein. Ouais, je suis prêt. Attends. On va se mettre là. Je vais resserrer les chaussures. Eh hey merde! Tu veux qu'on te détache maintenant? Bah oui. Oui? Ouais, j'ai mal là. Moi je pense que. Ah. On va rester comme ça. Hein? Bah on va rester comme ça. Parce qu'il y a du monde qui commence à arriver. Il y a du monde qui commence à arriver, qui joue au ballon et tout. Ah. Ils vont te détacher, je pense, parce qu'ils sont gentils. Hein. Ouais. Mais Ah, venez me détacher. Ta voisine, tu la laisses tranquille. Mmh. Regarde-moi, je te prends. Ouais. Ta voisine, tu la laisses tranquille maintenant. Ouais. Ok. Oui. Si elle me rappelle, oui. C'est pas ça que je fais, je suis au flic direct. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Bon, je crois qu'il a compris. Bon, voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez compris, faites attention, hein, si vous avez une piscine, quoi que ce soit, méfiez-vous du voisinage parce qu'il y a toujours des fous partout. Là, le mec, il prenait carrément des vidéos de sa voisine pour les revendre et se... Enfin, voilà, moi, je sais pas ce qu'il faisait après avec, mais je pense que vous avez une petite idée. Là, on l'a laissé sur le terrain de foot, on est encore à côté du terrain de foot. On est allé voir tous les jeunes qu'il y a autour pour leur dire de pas le détacher et qu'ils restent là une bonne partie de la journée, sachant que là, bon, c'est la fin de l'après-midi, il y a encore le soleil qui frappe, mais... Ça va pas le tuer. Je pense qu'il recommencera plus. On va aller voir la voisine pour lui remettre les images. On a gardé la carte SD, etc. Et voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas. On se revoit mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Faites attention à vous et soyez vigilants. Ayez les yeux grands ouverts.